Salut les survivants, ça roule? Alors à la base, je devais sortir cette vidéo après le fameux Dead Will Fait Sans Cinéma que je vous parle depuis un bon moment maintenant. Et qui est terminé depuis un bon moment aussi. Mais le souci, c'est que Canal bloque ma vidéo depuis maintenant 2 mois. Alors en attendant de trouver une solution, eh bien voici ce nouvel épisode que j'avais hâte de vous présenter. Récemment sur la chaîne de Nota Bene, eh bien nous avons sorti un épisode sur l'histoire du cinéma. Épisode que je vous invite à aller voir après celui-ci, car il contextualise parfaitement bien tout ce que nous allons voir aujourd'hui. En effet, avec Ben, nous avions vu à quel point le cinéma a bénéficié de l'effet culture de masse, pour devenir aujourd'hui la pratique culturelle numéro 1 en France. Il me semble donc logique de nous intéresser aujourd'hui à la sociologie du cinéma, qui nous révèle combien cette pratique en dit bien plus long que l'on ne le pense sur la société, les rapports de classe et bien sûr, sur nous-mêmes. Allez hop, c'est parti! Mais avant de parler de sociologie du cinéma, il est tout d'abord important de définir succinctement ce qu'est la sociologie. Il s'agit donc d'une discipline des sciences sociales, science où l'on étudie les interactions entre les individus, groupes d'individus et leur environnement, dans le but d'expliquer et surtout comprendre, de manière sociale et non psychologique ou biophysique, des phénomènes observables afin d'en montrer la nature sociologique. Ainsi, l'on étudie ces interactions qui vont produire par exemple des normes, des faits, des cultures et bien sûr les fameuses classes sociales. Bref, toutes ces choses que l'on ne peut pas expliquer uniquement via les sciences dures, comme les maths, la physique, etc. Mais où il faut mêler la démarche scientifique à celle intellectuelle. Et c'est exactement via cet angle que l'on va s'intéresser aujourd'hui à la sociologie du cinéma, ou comment celui-ci a obtenu, non sans mal, sa légitimité. Mais aussi comment nous, spectateurs, recevons un film en fonction de tout un tas de caractères sociologiques qui nous dépassent. Pour bien comprendre en quoi le cinéma est avant tout un art social, ayant un fort impact sur les relations humaines, sur notre façon de voir et d'appréhender le monde, etc., il faut comprendre en quoi celui-ci est un art de masse, et donc revenir un tout petit peu en arrière. Puisqu'en effet, comme dit en introduction, il est la pratique culturelle la plus populaire des Français, dont 95% de la population y est allée au moins une fois dans sa vie. Ce taux de fréquentation s'explique notamment par le fait que, contrairement à d'autres arts, le cinéma n'oppose aucune barrière culturelle ou d'instruction dans le fait de pouvoir comprendre l'œuvre. Évidemment, exception faite, bien sûr. Ainsi, à une telle échelle de diffusion, on imagine bien quel impact il peut avoir sur nos vies. Pourtant, dans l'histoire, le cinéma n'a pas toujours eu un tel succès populaire ainsi qu'une légitimité culturelle. Puisqu'en effet, la légitimité de la pratique d'une activité culturelle dépend essentiellement de la position sociale de ceux la pratiquant. Or, le cinéma, malgré sa prolifération comme invention majeure dans le monde des loisirs, va mettre 30 années à être légitimé par les institutions et la classe bourgeoise, qui n'y voyaient là qu'un simple divertissement et non un véritable art. Et la chronologie de l'évolution du cinéma illustre parfaitement les combats de classe que l'innovation et plus particulièrement la pratique culturelle peuvent générer par des appropriations à tour de rôle. Et là, je suis obligé de faire un très bref rappel sur le contexte dans lequel prit naissance le cinéma, et qui fait également écho à notre vidéo avec Nota Bene. Le 19e siècle se caractérise notamment par de nombreuses découvertes technologiques, mais également par l'apparition d'une véritable révolution culturelle au travers de la culture de masse, notion consistant à dépasser les classes sociales en s'adressant au plus grand nombre possible. À distinguer de la culture populaire ou élitaire donc, qui cette fois a tendance à opposer les cultures de ces différentes classes. Ainsi, cette culture de masse va entraîner une véritable révolution dans l'ensemble des secteurs culturels, dont la presse, aboutissant à l'invasion massive de l'image dans le champ social, puisque ne nécessitant aucune alphabétisation et transmettant par essence un message et une émotion visuellement. Ainsi, quand le cinéma, inventé en 1895, débarque dans cette société, il a tout pour plaire, puisque mêlant à l'époque l'image à l'information, mais surtout car il est un art avant tout social. Preuve en est lorsqu'Edison, inventeur du kinétoscope, appareil permettant de regarder un film de manière individuelle, se verra amputer le titre d'inventeur du cinéma par les frères Lumière et leur fameux cinématographe, permettant, lui, des projections publiques sur un écran. C'est ainsi le 28 décembre 1895 qui fera date dans l'histoire du cinéma comme le jour de sa naissance, puisque constituant la première projection publique payante. Et c'est ainsi que le cinéma devient alors une véritable curiosité pour riches. Les projections sur grand écran, étant au départ avant tout des curiosités technologiques, elles entraînent un prix du billet assez élevé pour l'époque. C'est ainsi qu'à son origine, le cinéma est réalisé et regardé uniquement par la bourgeoisie. Mais le succès est tel que les frères Lumière font tourner leurs inventions dans toute la France, entraînant une division du prix du billet par deux, leur permettant de toucher alors un public plus modeste.
Le cinéma devient donc vraiment populaire les années suivantes, en étant principalement présent dans les foires, entraînant son abandon par la bourgeoisie qu'il avait pourtant célébré à sa naissance. Une des raisons à cela est que les films diffusés sont principalement des comédies, et l'intelligentsia de l'époque n'y voit donc pas un art à proprement parler. Sans compter que ses projections ne bénéficient pas d'une grande qualité technique. Et pour enfoncer le clou, le 4 mai 1897 au bazar de la Charité à Paris, un incendie dû à la négligence du projectionniste entraîne la mort de 125 personnes, issues principalement de la bourgeoisie et de l'aristocratie, entérinant définitivement à l'époque cet art pour cette classe sociale. C'est ainsi que le cinéma sera peu considéré et subira une taxation 4 fois plus importante que le théâtre, étant lui vu à l'époque comme l'unique activité de masse. Mais petit à petit, le cinéma va passer d'une simple curiosité à un véritable loisir. En effet, le cinéma va s'affirmer comme un spectacle ayant ses caractéristiques propres, via la réalisation de plus en plus de fictions dans différents genres. Il va ainsi quitter les foires et investir les théâtres. Mais l'on voit surtout, grâce à Gaumont et Pathé, l'apparition de nombreuses salles lui étant spécifiquement dédiées, et lui offrant petit à petit le statut de véritable loisir. L'on assiste alors, comme développé dans la vidéo avec Nota Bene, à une véritable industrialisation du cinéma, qui avec ses 10 millions d'entrées par an contre 180 millions aujourd'hui, recherche une légitimité. D'ailleurs, le public le considérant dorénavant comme un loisir devient de plus en plus exigeant. Et en retour, l'industrialisation de celui-ci fait passer le statut de spectateur à celui de consommateur, en le fidélisant avec des héros récurrents, dont le premier est un Français, Max Linder. Mais ce succès s'explique également par l'adhésion du grand public en réaction à une élite intellectuelle et sociale rejetant ce spectacle. Pourtant, cette élite va bientôt se l'approprier, puisque le cinéma devient petit à petit un véritable art. Dès 1908, différents artistes venant de la peinture, de la littérature, etc. deviennent réalisateurs et adaptent de grands romans ou moments historiques, afin de proposer des œuvres culturelles plus ambitieuses, comme l'assassinat du duc de Guise qui connaîtra un grand succès. La presse qui salue ce tournant va alors commencer à crédibiliser le cinéma auprès de la classe bourgeoise, qui jusque-là, comme nous l'avons vu, privilégiait le théâtre. D'ailleurs, le cinéma va se voir reprocher par l'élite conservatrice sa concurrence face au théâtre et sa perversion de la jeunesse en l'incitant au crime. Ce qui doit vous rappeler encore aujourd'hui quelques débats. Et même Louis Deluc, qui deviendra par la suite l'un des légitimateurs du cinéma en tant qu'intellectuel, critique et créateur de ciné-club, va exprimer son mépris vis-à-vis de ce spectacle. En réalité, derrière ce rejet se cache un véritable mépris de classe, s'intégrant parfaitement dans la lutte de classe elle-même. En effet, nous sommes à un moment où l'aristocratie française est mise à mal par la haute bourgeoisie, qui voit à son tour sa place remise en question par l'apparition d'une bourgeoisie de masse, ou classe moyenne supérieure. C'est ainsi par ce réflexe de classe, de mépris du cinéma, que la bourgeoisie va le dévaloriser pour pouvoir mieux s'en distinguer, et donc se distinguer elle-même d'une classe populaire accédant nouvellement aux loisirs, en pratiquant bon nombre d'activités culturelles différentes. En effet, pendant longtemps, l'élite s'est différenciée du prolétariat grâce à son capital financier, lui permettant de s'octroyer beaucoup de temps et de loisirs en n'étant pas ou peu soumis au travail. Or, le cinéma étant devenu le loisir des classes populaires, elle devait, pour garder sa domination symbolique du bon goût, s'en détacher et le dévaloriser. Et c'est grâce à des réalisateurs comme Griffith ou Cécile B. 2000 que le cinéma va se développer techniquement et atteindre, ironiquement mais non sans symbolisme, grâce à des échecs publics et populaires, sa légitimation auprès de l'élite intellectuelle, lui conférant alors le statut de 7e art. Bref, le cinéma commence ainsi à obtenir une véritable légitimité sociale. Et dans ce processus de légitimation du cinéma comme art, deux institutions vont permettre l'émergence de critères d'évaluation qualitatifs et esthétiques. Tout d'abord, les ciné-clubs. Car oui, même si l'on a l'impression que ceux-ci sont récents, ils existaient déjà en 1920 avec plus de 10 000 membres. Et déjà à l'époque, et malgré la jeunesse du cinéma, l'on mettait bien plus en avant les films anciens comme ceux de Georges Méliès que ceux du moment, pourtant bien plus évolués techniquement, démontrant ainsi le rôle du temps pour instituer des références artistiques. Des références permettant à ces groupes de personnes d'établir des jugements de valeur nécessaires à la qualification de biens symboliques propres à toute œuvre d'art. Qualification symbolique permettant de s'attribuer un certain sens du bon goût pour celui aimant l'œuvre, l'opposant de fait à ceux en manquant.
C'est donc l'émotion créée qui a une valeur, et non le procédé ou encore la pellicule. Puis l'on voit l'apparition de revues critiques spécialisées, asseyant une fois de plus la légitimité du cinéma, mais également celle de la classe sociale des écrivains, puisque dictant à la population ce qui est bon et ce qui est mauvais. Enfin, le cinéma prend également la dimension de patrimoine, c'est-à-dire qu'il n'est plus qu'un simple objet de consommation, mais acquiert une valeur culturelle qui perdure dans le temps. C'est ainsi que la Cinémathèque française prit naissance en 1936, afin de conserver les œuvres cinématographiques comme façonneuses de culture et d'images emblématiques pour des générations entières. Et tout ceci nous fait évidemment penser à l'évolution de la télévision par la suite, mais également à Internet et forcément à YouTube, où toute innovation audiovisuelle doit passer par l'acceptation des différentes classes sociales, qui se l'approprient différemment dans leur perception et dans l'usage qu'elles en font. En effet, une fois l'arrivée de la télévision et de la vidéo, ce n'est plus le contenu qui a une valeur symbolique, puisqu'il s'agit toujours d'un film, mais le contenant, c'est-à-dire la télévision, l'ordinateur ou encore le téléphone portable. Ainsi, quand la VHS débarque sur le marché, seuls les plus riches vont pouvoir se payer des cassettes et des magnétoscopes, dont le coût est environ deux fois le salaire d'un ouvrier de l'époque. La clientèle est donc constituée d'une classe sociale aisée, mais également de cinéphiles et d'amateurs de pornographie. Ah, le porno! Toujours à la pointe de l'innovation, celui-là. Mais bref, la faible qualité d'image des VHS et le succès du X nuit dans un premier temps à la démocratisation de la vidéo. D'autant que la plupart des magnétoscopes sont étrangers et qu'à l'époque, la politique protectionniste de la France impose des quotas maximum d'importation et met une TVA 6 fois supérieure à celle du livre, du théâtre et même du cinéma. Ironie de l'histoire, hein, puisque souvenez-vous, c'est ce qui se passait déjà pour le cinéma face au théâtre. Ce ne sera donc qu'en 1985, avec la levée de ces mesures, que le coût de la VHS sera divisé par 10, et entraînera donc une forte démocratisation de la vidéo, avec notamment la création des vidéoclubs où le prix de la location sera grosso modo celui d'une place de cinéma. Ce qui permettra d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir, l'essor du cinéma de genre qui touchait essentiellement à l'époque les classes populaires. Ainsi comme pour le cinéma, la VHS mettra 7 années à devenir un loisir et non plus une curiosité, et attendra 20 ans et l'arrivée d'une nouvelle innovation, le DVD, pour devenir un objet de collection. Et si l'on ajoute à ça la télévision et Internet, il est indéniable que le cinéma, et plus particulièrement les films, deviennent des liens culturels importants au sein des peuples, que ce soit au niveau national, mais également international, avec notamment Hollywood et sa force de frappe énorme. Voyons maintenant en quoi la légitimation du cinéma s'inscrit alors totalement dans un rapport de classe. Comme nous venons de le voir, le cinéma, comme toute innovation technologique, touche d'abord par son prix élevé les classes pouvant y avoir accès, c'est-à-dire les plus aisées. Puisque ce n'est que lorsque celui-ci s'industrialise à grande échelle, faisant baisser ses coûts de production et donc son prix, qu'il devient accessible aux classes plus modestes. Ainsi, le cinéma est passé d'une curiosité divertissante pour les plus riches à un loisir de masse pour les couches populaires, entraînant instantanément un rejet de celui-ci par l'élite, qui l'intégrera en dernier à son quotidien lorsqu'une nouvelle innovation débarquera, permettant à cette élite de réasseoir sa domination symbolique et démontrant que le champ culturel est bien un endroit de lutte des classes. En effet, c'est souvent ainsi que la bourgeoisie s'érige comme garant du bon goût culturel, lui apportant ce fameux capital symbolique, là maintenant de ce point de vue, en haut de la structure sociale. Puisqu'à l'inverse, ce qui est considéré comme de la culture populaire est souvent jugé, par cette classe, comme de la sous-culture. D'ailleurs, même si la légitimité du cinéma a énormément évolué, il n'est toujours pas complètement considéré comme un art noble, au même titre que la littérature ou encore la peinture, puisque celui-ci répond la plupart du temps à une demande, et notamment à échelle industrielle, l'empêchant d'être vu comme de l'art pour l'art. Il est d'ailleurs majoritairement ressenti, par le public allant en salle, comme un divertissement et non une sortie culturelle. Un divertissement proposant de nombreuses productions ultra normées, restant dans un cadre confortable et n'offrant que peu de formes artistiques originales ou radicales. Même si bien sûr ce cinéma existe également. Mais n'étant qu'à l'extrême marge de ce qui est vu par le plus grand nombre, il n'est pas assez représentatif ici. Bref, c'est dans ce contexte que l'on voit des gens s'arrogeant le droit de définir quel cinéma est artistique et lequel est populaire, lequel est culturel et lequel est divertissant. En gros, lequel est bon et lequel est mauvais. Et souvent, sans aucune remise en cause du grand public, offrant ainsi à plusieurs catégories de personnes le pouvoir de légitimer une œuvre, puisqu'ils seraient, eux, les sachants. Et ces sachants, ce sont qui ?
pas évident à dire. On retrouve ainsi la critique, regroupant avant tout des passionnés de cinéma ayant souvent une facilité pour l'écriture, mais ne possédant aucun diplôme particulier. Et bien sûr, j'intègre dans cette catégorie les vidéastes comme moi, même si la cooptation sur internet est tout de même moins forte. Enfin, elle l'était du moins à une époque. Bref, une critique avec bien souvent deux camps. Ceux défendant un cinéma d'auteur, et donc artistique, et ceux prônant un cinéma plus populaire. Puis vient les jurys de festivals, qui se retrouvent surtout pris dans une logique de réseau où l'on vote en fonction de tout un tas d'intérêts pour telle boîte de production, ou encore d'image pour sa carrière, puisque le jury est associé au film primé. Ainsi, ces votes sont plus souvent la représentation d'intérêts personnels qu'autre chose. Et concernant les Oscars et les Césars, où ce sont les gens du métier qui votent, on peut évidemment penser qu'ils mettent en avant les films leur permettant de vivre, plutôt qu'un réel choix personnel et radical. Alors attention, hein, nous sommes bien entendu tous soumis à ça individuellement également. Nous votons et prenons des décisions en étant pris dans notre subjectivité individuelle, soumise à notre environnement, pour bien souvent améliorer notre quotidien et avantager notre classe. Bref, vous l'aurez compris, ici le but n'est pas forcément de critiquer un système, mais d'en faire le constat. Ainsi, l'ensemble de ces personnes, allant de la critique à l'académie, ne sont pas forcément les plus à même de juger les œuvres face au temps, puisque ne représentant qu'eux-mêmes. Preuve en est, le nombre de films cultes et de chefs-d'œuvre passés au travers de leur filet. Mais c'est pourtant bien eux qui donne le là en créant des films références. Pourtant, le cinéma semble paradoxalement avoir besoin, pour acquérir sa légitimité, de cette élite, pour qualifier certaines œuvres d'artistiques et ainsi lui permettre d'accéder au rang de 7e art. La critique et l'analyse semblent donc primordiaux dans ce rôle de légitimation et dans son intégration au patrimoine historico-socio-culturel. Ce qui évidemment m'arrange pour légitimer à mon tour mon travail ici même sur ma chaîne. Même s'il s'agit, en l'occurrence, de partager ici simplement ma passion et mes points de vue sans m'ériger au-dessus de personne, simplement apporter ma modeste contribution. Mais ça, je pense, vous l'avez très bien compris. Et c'est d'ailleurs un bonheur de voir de plus en plus de gens prendre cette place sur YouTube, venant de tous horizons, sans avoir à subir de rejet en fonction de leur appartenance sociale ou leur manque de réseau. Et pour avoir souvent fait face à cette barrière sociale moi-même, je suis plus qu'heureux de cette évolution. Surtout quand vous êtes un zombie, hein. Vous imaginez bien que ça fait pas très élitiste sur la forme. Et du coup, vous pâtissez d'un certain mépris de classe de certaines personnes qui ne vont même pas s'attarder sur le fond. Ce qui est quand même dommage. Mais assez parlé de moi, hein, puisque les principaux légitimateurs du cinéma restent les spectateurs et donc vous. Et finalement, encore moi. Quel égo trip! Des spectateurs qui, en tant qu'objets sociaux, sont également pris dans bon nombre d'affects bien particuliers, déterminant notre ressenti après la vision d'un film. Et ce, car notre modèle de satisfaction dépend souvent de deux choses. L'effet d'anticipation allié à celui de surprise. Ainsi, notre satisfaction résulte des bénéfices apportés par la séance, face au sacrifice que l'on a consenti, correspondant notamment au prix payé, au temps investi, etc. Ainsi, notre classe sociale joue un rôle important dans notre jugement, puisqu'il est évident que l'argent et le temps dépensé par un ouvrier engendrera une attente différente vis-à-vis du film qu'une personne aisée n'étant pas ou moins soumise à la confiscation de son temps par le travail. De plus, l'attente filmique comme effet d'anticipation au travers des bandes annonces, publicités, etc. va donc jouer un rôle important sur notre ressenti vis-à-vis de l'œuvre. On ne juge donc pas forcément le film pour ce qu'il est en soi, mais aussi vis-à-vis de l'attente que nous avons mis dedans. Ensuite, le contexte de visionnage du film va également influencer notre perception. Il est évident qu'entre le regarder en streaming sur un écran de téléphone ou dans une salle de cinéma dernier cri fera une différence assez importante. Mais c'est également le cas entre le voir dans un cinéma d'art et essai ou dans un multiplex, puisque qu'on le veuille ou non, le contenant où est projeté le film entre dans notre jugement de satisfaction. Il ne faut pas non plus oublier l'influence primordiale du contexte historico-social du moment dans la perception d'une œuvre. Et là, je vous renvoie notamment à ma vidéo sur le girl power, féministe ou misogyne, illustrant parfaitement cette idée. Viennent ensuite, bien évidemment, notre âge, notre sexe, notre cinéphilie, etc. Mais également énormément notre état émotionnel au moment du visionnage de l'œuvre. Ainsi, il faut que le spectateur soit ouvert à recevoir des émissions transmises par le film. Ce dernier doit d'ailleurs lui apporter une certaine conformité avec ce qui l'attendait, pour pouvoir mieux générer, ensuite, un effet de surprise. Mais cette surprise doit tout de même rester dans un cadre de valeurs proche ou identique du spectateur, pour aider son adhésion au film. Il est en effet assez rare, mais pas impossible bien sûr, d'adhérer à un film allant à l'opposé de nos valeurs et de nos pensées, malgré des qualités esthétiques et narratives fortes.
Ainsi, notre évaluation du film et de la satisfaction qu'il nous a apportée va donc dépendre du plaisir procuré pendant le visionnage, avec notamment l'effet de surprise apporté face aux attentes initiales et à nos différentes influences sociales. Nous sommes donc soumis à différents biais de confirmation suivant l'importance ou non que nous avons mis et investi dans notre attente. Notre avis dépend donc de notre expérience personnelle, mais également politique, culturelle et sociale. Ainsi, il n'y a pas une seule signification à un film, mais une grande quantité d'interprétations possibles dépendant de la sociologie de chaque spectateur. Ce qui pose bien sûr la question de notre liberté ou non d'aimer un film, et donc de l'existence ou non de notre libre arbitre face à notre conditionnement et déterminisme sociétal et social. Une question extrêmement vaste et complexe, mais qui, en sociologie, penche plutôt vers le fait que nous sommes tous des êtres déterminés avant tout par notre classe sociale. Ce qui, je le conçois, peut être assez déstabilisant pour celui qui l'entend. Mais au final, quelle influence a réellement le cinéma sur nous ? Au questionnement de quelle est l'influence du cinéma sur les masses, il est ici une nouvelle fois question d'un rapport de lutte de classe. Puisqu'en effet, il y a dans cette question même l'idée des élites selon laquelle le public populaire est crédule et influençable, contrairement à elle. Une manière de l'infantiliser et donc de juger à sa place ce qui est bon pour lui, participant parfaitement à ce que l'on appelle, une fois encore, un mépris de classe. C'est ainsi par exemple que naquit la censure au cinéma, alors qu'elle n'existait pas à l'époque au théâtre, considéré plus élitiste. Toutefois, l'humain étant un animal social conditionné dans sa manière de penser, d'agir, de réfléchir, etc., notamment par son environnement socio-culturel, dont le cinéma fait partie, il serait donc idiot de nier l'impact et l'influence de celui-ci sur les masses. Ainsi, il est évident qu'il contribue à une certaine uniformisation des pensées, de l'imaginaire, de la morale et des comportements. Et il y a de ce point de vue deux grandes tendances principales dans la sociologie du cinéma. La première est qu'il influence le spectateur en tant qu'individu, et bien sûr en tant que masse, en faisant par exemple évoluer les mentalités. Et ceci a beau être en partie vrai, il faut toutefois ne pas être trop naïf là-dessus. Et notez que lorsque les films commerciaux commencent à développer des thématiques sociétales autour du racisme, de l'homosexualité, du féminisme, etc., des thématiques qui sont importantes, cela démontre bien souvent que la société est déjà prête à les accepter dans le débat public, et qu'il n'y a absolument rien de transgressif dans cette démarche. Il s'agit plus là d'une récupération pour surfer sur un phénomène sociétal sous couvert de morale, en étouffant bien souvent des réalités sociales plus profondes. C'est d'ailleurs là tout l'intérêt du cinéma d'auteur, qui est bien souvent à l'avant-garde de ce genre de questionnement, le rendant donc bien plus transgressif. La seconde tendance est que le cinéma ne serait que la représentation de notre société, sans aucun impact dessus. Bien évidemment, et comme souvent, la vérité se trouve certainement entre les deux, avec un cinéma s'alimentant de la réalité et influant sur les individus, qui eux-mêmes via le cinéma influencent la réalité, qui de nouveau réinfluence le cinéma, etc. Bref, c'est donc souvent sans même nous en rendre compte que nous assimilons les films et leur morale dans notre façon de penser, nos goûts esthétiques, nos fantasmes de vie, etc. Ce qu'exprime d'ailleurs très bien Emmanuel Etis dans son ouvrage Le cinéma près de la vie. En un peu plus d'un siècle, le cinéma est devenu sans conteste bien plus qu'une usine à fabriquer des rêves. Le cinéma façonne nos attitudes, nos comportements, nos manières d'être, voire d'être ensemble. Bref, cette vidéo se voulait surtout une introduction à la sociologie du cinéma où je me suis principalement focalisé sur les classes sociales. Il est évident que l'on peut faire la même chose en fonction du sexe, de la couleur de peau, de l'âge et j'en passe. Et d'ailleurs, j'espère que certains s'approprieront cette thématique. D'ailleurs, si ces thématiques vous intéressent, je vous recommande grandement les chaînes de Vidéodrome avec notamment ses vidéos sur la prostitution au cinéma ou encore la transformation des adolescentes dans les films d'horreur. Et je vous recommande également l'excellente chaîne Cinéma et Politique avec leurs vidéos sur Spartacus, Watermelon Man et j'en passe. Bien sûr, vous trouverez également de la sociologie disséminée dans la plupart de mes vidéos, avec par exemple l'aliénation des masses pour American Beauty, le conformisme pour Édouard Romain d'Argent, ou encore bien sûr la violence et le voyeurisme pour Orange Mécanique et C'est arrivé près de chez vous. Bref, le cinéma, comme tout médium, n'est ni bon ni mauvais, mais est avant tout ce que nous en faisons. Continuons donc de l'analyser pour ne pas être dupes. Mais sans oublier, surtout de le regarder avec passion. Bref, allez au cinéma quand vous le pourrez, mes survivants. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love.